Ayo, Seasma, Versus, Multiply, VRB, 12 mai. On est là pour un face-off muy important et très intéressant entre deux MCs, Battle MCs, Judas et Riverdash. Voilà, les gars. Voilà. Okay. va bien. va bien. Bien, Man, bien. bien Ok, donc, il y a des gens qui connaissent peut-être certains de tes Battle, mais Riverdash, parle-nous un peu de ton parcours jusqu'à présent parce que peut-être que les gens savent pas, mais il y a une scène battle rap. Latino, en espagnol, globale, puissante. Puis aussi à Montréal, tu as gagné un tournoi récemment à Toronto. Présente-toi à la DJ. Ok. Yo, ¿qué pasa gente? What up? Qu'est-ce qui se passe là? Premièrement, merci Versus pour l'invitation. Judas, muchísimo respeto, carnal. Big respect. Et ouais, c'est ça. Mais je viens du Mexique. J'arrivais j'arrivais ici à Montréal en 2016 pour mm -hmm. la première fois. Puis en 2000, ces même année là j'ai connu le, le monde du, du rap battle, mais surtout en freestyle. Et j'ai yeah. commencé par le freestyle avec les batailles, bataille des gallos, la compétition qui organise Red Bull. Puis yeah. depuis cette année-là, mais j'ai entré dans dans, dans dans la compétition. J'ai commencé à faire du freestyle dans ma chambre parce que mais je, je connaissais pas quelqu'un qui faisait du freestyle ici ici à Montréal. Donc c'était tout par par internet et de faire des compétitions virtuellement tout ça puis après j'ai en retournant au Mexique j'ai participé dans quelques compétitions après ça j'ai revenu ici puis eh, j'ai connu eh, Griffos De Sueños y Raíces Alchimie verbal mon mm -hmm. Griffos Chido One okay. après ça mais j'ai connu tous Sueños y Raíces Jasser Canek Beto Huicho Jasser Diablo Pablo donc après ça mais j'ai rentré plus au niveau artistique, à faire des chansons, de performer. Puis je laissais un peu de côté le freestyle eh, parce qu'il n'y avait pas comme une scène, un, un mouvement no, de mm -hmm. batailles. Mais à tout moment, tu pouvais Mais à tout, tout moment, sac, ouais. Sac à ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc après, là, eh, il y a eu une opportunité de commencer à faire des événements de, de batailles de freestyle ici à Montréal. Et en 2019, ça a commencé. Il y a eu la, la première édition au parc Jeune Mans à mont donde mon, mi carnal Nico ADN eh, un rapor colombiano es el que ha ganado la primera competición y de piso molas como cómo la se develop el vino muchísima gente y ça, después me j'ai a Toronto j'ai a Chicago a Vancouver Gané si a Montreal a Toronto a Chicago entonces que, ça, je, je, je La isla représente Montréal mm -hmm. à niveau de batailles de freestyle. Donc, en tant que MC, tu représentes Montréal, mais tu gagnes à tous les, les endroits. What? Et on voulait faire ça depuis longtemps, mais là, on est là pour un battle en espagnol parce que, Judas, toi, tu as déjà battle, mais mm -hmm. la gente ne no savait Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, comment c'est créatif et quelle place la langue. Parce que les gars vont faire mm -hmm. un battle, un round en français, un round en espagnol, qui est le 12 yeah. mai. Et, je veux savoir un peu comment tu mescales la slang dans ce rap game. Ben dans le fond, moi je suis doyen là, moi je suis de l'époque de genre MSN là, tu comprends, là, genre, MSN Groups là, on faisait des battles ouais. sur MSN Groups là, tu comprends. hip <laughs> franco, c'est que tu ça, hein? No, Latin Montreal <laughs> back in the day. Okay. Yeah. avant que Facebook ait juste des hey, petits yo, certains groupes. Là. exact, avant. Puis, okay. tu sais, okay. j'avais battled euh, une couple de, de personnes underground dans ce temps-là qui sont même plus actives en ce moment là. Okay. Puis à la fin, j'ai battle le juge qui m'a niqué que c'était MRK. Shout out MRK, oh. Marquito. Okay. Puis euh, c'est comme ça que j'ai commencé le battle dans le fond. Là. Moi, je faisais déjà de la musique dans ce temps-là. Puis euh, c'est après quand j'ai su pour les Word Up, j'étais dans les Word Up, faire hein, mon tank, puis genre. Ça s'est passé de ma main. Puis j'aime ça mélanger les, les langues aussi, parce que dans ma tête, c'est un mess, là, tu comprends. Genre. Mm -hmm. Toutes les langues que je parle dans ma tête, ça m'aide aussi à décortiquer les textes puis à faire comme euh, des mélanges puis des jeux de mots plus euh, habiles. De ta quoi, musique et ta poésie, même ton Say, yeah, yeah, c'est exactly. un mélange de tout ça, puis tu le delivers. Ah oui, absolument. Il y avait toujours une touche de ça dans tes battles. Et... C'est-à-dire que les deux, vous êtes habitués à la scène, à la créativité, mais là, c'est yeah. un vrai battle. Ouais. Un ouais. des Merci. premiers battles oh, ouais. franco-hispanophones à Montréal, au Québec, au Canada, dans l'Amérique du Nord, on ne sait pas. Nous sommes en train de faire C'est ça, c'est <laughs> la vraie histoire. Okay. Donc, vous êtes prêts pour la scène, vous savez battle, vous savez freestyle, mm. vous savez rapper, mais comment vous êtes préparé à vous affronter l'un à l'autre Riverdash, dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé <laughs> ou comment tu approches un battle avec Ben, Il faut étudier l'adversaire. Il faut étudier. Mm. Mm. Parce qu'un freestyle, c'est au moment là genre mm -hmm. je peux plus... mais pas inventer quelque genre ouais, ouais ouais drum. ouais juste faire du de, de punchline mais en faisant un battle écrit t'as le temps pour étudier ah. l'adversaire t'as autant pour euh, voir écouter sa musique si tu peux faire c'est pas quelque chose à propos de son son album mm -hmm. n'importe mm, quoi là ligues, ouais, ouais. Le lyric, okay. Tu peux utiliser les refrains de la chanson, je sais pas. Wow, oh! Nice. Spoiler, non, non, non. Je <laughs> sais <laughs> ce que tu veux dire, parce Mais, que les gens ne savent pas, les league battle, allez voir, là, comme oui. Assassino contre... Oui, oui, oui. T oui. Ah oui, ouais. ça c'est... Pardon. Oui. Il y a un bon exemple. Hein. Dernièrement, il y a eu la bataille de assassino Disaster. disaster. C'était okay. espagnol-anglais. Justement. Puis aussi, prochainement, il va voir avoir un autre battle avec un rappeur mexicain, Eptos 1 et dans son ligue de, des États-Unis aussi. Donc, il mmh. va avoir un autre battle euh, espagnol-anglais. Puis aussi, Disaster a fait des barrels anglais-rouge, je pense. Oui, ah, ouais. et ouais. Uh, uh, au Liban aussi. Oui, oui, oui. C'est les gars dominent le marché. Okay. Ouais donc, euh, au niveau des, des barrels en deux langues, ce n'est pas nouveau. Ouais. Mais je pense qu'espagnol, français, ça va être la première fois. Absolument. Mmh. Puis je pense qu'en France, et en... ce que je voulais dire, c'est que les punchlines personnelles sont extrêmement populaires oui. en espagnol. Oui, oui, pour oui. C'est oui, que oui. tu es en train de dire que tu prépares des choses comme ça. Non. Je veux savoir, <laughs> qu'est-ce que toi, tu as préparé? Ben bro, je l'ai beaucoup stalké, là. je ne vais pas mentir. La je beaucoup <rire> <Damn>. <rire> mais mais, ouais. on, mais il y a déjà on, on, y a plusieurs identités t'as réussi à, à trouver un... ouais mais t'sais on se connaît déjà t'sais, fait que genre oh. t'sais, on a quand même un, un peu euh, t'sais, des, des armes chacun pour l'autre t'sais mm -hmm. on a des munitions t'sais fait que euh, c'est ça t'sais j'ai un peu checké aussi son personnel d'internet ah. moi c'est mon point faible là, parce que je suis un fucking livre ouvert là, sur internet c'est ça fait que, mais toi t'es toi-même tous les jours il dit que es un personnage. oui puis est... on, risque, ouais. on risque de se faire attaquer pour ça parce que pour les réseaux sociaux là si tout est public, donc euh, il peut utiliser ma photo Instagram là. Je peux utiliser son Fille. profil, c'est ça. Si vous ouais. Un mot en espagnol, guys, chisme. La communauté latine de Montréal, il y a beaucoup yeah. qui se parlent en musique et en rap. Mm. Les gens disent des comments. Je pense que des gens vont regarder un peu voir ce qui se ben passe, oui, ben oui. Ah ouais, 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 ouais. surtout pour la première avesse. Mm -hmm. okay. j'aurais une autre question. Euh, Est-ce que tu peux dire un point positif et un point négatif de ton adversaire mm. comme qu'est-ce que tu respectes dans son game qu'est-ce que tu penses que es super on, on est back ouais. en philo là mm -hmm. Shit. ok ok, okay. chat GPT <laughs> uh, ok je pense qu'il est fort au niveau de 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 il utilise beaucoup de mots mm. que habituellement on n'utilise pas la prose Elle est muy la culto même. culto c'est la palabra non 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 culto culto intelligent. Ah, yeah. Intell Intelligente, okay. cultivée. Puis euh, je pense qu'il est faible, mais pas faible. <laughs> ah, non, mais je oui, pense que je peux être plus fort dans les punchlines et les hmm. Ça, D'après ton approche et d'après ce qu'on a vu et ta pratique avant, il could be. Mais hmm. dans le versus et dans le Multiply, you never know qu'est-ce que les gens vont vouloir. Toi, qu'est-ce que tu penses de ton adversaire C'est quoi ses forces et ses faiblesses Puis est-ce qu'il a raison ben, force, clairement, en freestyle. Moi, je suis pas aussi, aussi fort que lui en freestyle. Donc, s'il si, <laughs> me flippe, là, je, 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 je suis quand même, ah, genre, you know, oh, defensive. ça, là. Est-ce que c'est un trap? C'est un trap. Mm. Mais, mais, again, comme pour reprendre ces mots, je pense que je suis vraiment plus fort euh, côté lyrics. Puis aussi l'expérience des autres battles aussi. De ce je pense côté, que Je pense ouais. que c'est tout le temps croissant côté punchline aussi, là. Fait que, de battle en battle, ça s'améliore, là. Ok, puis là j'ai une autre question parce que c'est un round en français, un round en espagnol. Moi j'ai amené un coin du Pérou pour flip, là. il est oh. thick. Ok, non? ok. Mais est-ce que vous allez changer votre style dépendamment de la langue Parce que moi quand je parle espagnol, mmh. t'as une mmh. autre là qui se marque à Est-ce que vous êtes capable, comme comment vous, vous approchez votre rap en une langue ou une autre Est-ce que c'est vous ou c'est un autre personnage Ben je te dirais qu'en français, c'est sûr que ça ne marche pas de la même façon. Juste à cause de comment la langue est construite. Puis si tu connais les codes de either le rap en espagnol ou le rap en français, c'est pas du tout les mêmes codes. Là. Mm -hmm. Comme la façon de couper les mots, puis la façon de faire les flots, mm -hmm. c'est très différent. Puis c'est sûr que. Ben, tu l'as vu, mettons, euh, je sais pas si tu as vu mon dernier battle, là, mais ouais. la fin, quand je l'ai fait en espagnol, ça a été un changement de style. Là. Ouais. Mm -hmm inévitable. Oh, C'était pas prévu que, que ça allait faire un changement de style. C'est un de cette façon-là. De le, 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 le delivery, ça change ouais, beaucoup. Le flow. Flow, flow, ça ouais. change beaucoup au niveau du langage. T'sais. Parce que pour écrire en français, moi, je le faisais pas beaucoup avant parce que je me sentais pas comme à l'aise. Hmm. Parce que c'est pas la même chose. Euh, c'est pas ma langue maternelle. Mais de plus en plus, je commence à avoir des confiances pour faire ce truc-là. Oh. Puis, je ne sais pas, probablement, vous allez noter que mon round en français est vraiment différent bon, est que l'espagnol. Le, ok, Aver. Le freestyle en français, imagine. Parce que les gens aiment ça comme, mm. genre, du dental oui on a vu des ouais, ouais, quand tu changes de langue, yeah. c'est parfait. Bon. En oui, je, je pense que ça c'est le beau, le meilleur exemple de dire mm -hmm. ah c'est pas la même chose les le rap français que le rap en espagnol, c'est mm -hmm. par exemple Monche Red Bull dernièrement dernière ouais. en France. Le flow c'est vraiment différent au flow espagnol, ouais. hispanique. Tu même comprends si la même compétition. Ouais, même gros si c'est la jeu. compétition. C'est uh -huh. vrai. Non, mais nous Fuck Red Bull, on est là pour support de La scène locale, on la ravitaille, la ravitamos. Mais, okay. mais, mais, mais il n'y a pas de Versus espagnol, donc je ne peux pas faire la comparaison. Versus okay, je vous, TV. Je vous suggère de participer à vos étonnations, vos prononciations, vos mm, présentations. Puis oh, bah, ouais. avant de quitter, dites un mot chaque pour inviter la Rente pour qu'ils viennent nous voir. Puis pour, euh, pour qu'on puisse grandir cette communauté, parce que Spectrax, Suelo Cileraï, mm. tout le monde va dans les ouais. parcs. Now it's time to bring back the campus le 12 mai. Judas, riverdash ¿qué tal? Bro, estén ahí, loco, para la pelea. Eh, vengan todos. Yo tragué gente también para que vengan. Bro, los esperamos para toda la entretención. Trae tu sobrina, trae to... y... to... tu más. Se ve más, chicos. Vamos, man, Let's go. 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 Ya, yeah, exactamente. La misma cosa. Invité a todos sus amigos que hablan español, que hablan francés, que hablan inglés, que hablan, no importa cuál, va sabete. Realmente, esto es battle. Puis, vengan todos, o sea, yeah. Inviten a todos sus compas, no, 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 no sí se miedo. lo pueden perder, ¿sabes? Sí, no hay miedo, mi familia, no hay miedo. La familia, los dos eso va a ser difícil. Asma versus let's get it, we out here. <laughs> Bien hecho. Oh, okay. so